on Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite d'Assassin's Creed Unity. Dernière fois, je vous avais dit que je n'avais pas branché mon câble internet pour la PS4, là je l'ai branché. Donc on va faire une session 100% online aujourd'hui. Donc je suis rapproché d'une mission online, donc on propose de jouer en privé ou en public, et d'inviter des joueurs. A la base, je ne devais pas faire cette vidéo là tout seul, je devais faire ça en coop avec un pote. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas trouvé, enfin, on a trouvé comment jouer en coop, hein. Ça n'est pas trop con non plus, ça va. Mais par contre, en fait, le problème, c'est que dès qu'on invite des amis, ça ne marche pas. Donc, en attendant que je puisse jouer avec lui, si vous avez des idées, ce que vous voulez en fait, pour m'aider à jouer avec lui, comme ça je pourrais faire un stream avec lui, ce qui peut être vraiment sympa parce qu'il est un peu comme moi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire par commentaire ce qui pourrait vraiment m'aider. Donc en attendant, je vais faire ça toute seule, tant qu'on trouve un contrôle. Oui, je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, j'en sais rien et tout. Mais c'est pas grave. Du coup, là, on est en recherche de joueurs. Et la partie va bientôt débuter, parce qu'à mon avis, ils ont trouvé quelqu'un. Donc on va attendre, bien sagement. Voilà, c'est parti. Donc, ça va être une découverte pour moi. Donc, je n'ai pas encore fait du online. À la base, je devais en faire avec lui. Et comme ça ne marche pas, je ferai toute seule. Non, mais voilà, ça pourrait être vraiment sympa. Et... je sais que ça passerait bien parce que voilà, il joue un peu comme moi, c'est-à-dire que voilà, il rush quoi. Donc voilà. Si tu regardes la vidéo, c'est de toi que je parle. Non mais voilà, n'hésitez pas à me dire quoi par commentaire parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de pas savoir le faire. Parce qu'on a invité un ami et tout, hein, c'est inviter des joueurs, on met notre ami, le pseudo de notre ami sur le PSN et tout, on l'invite et tout, y a pas de problème. Mais le problème en fait, c'est que quand on accepte, si vous voulez, ça met sauvegarde en cours, chargement. Mais après le chargement, en fait, il n'y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire que ça coupe le chargement et puis on reste toujours en ville à la place qu'on était. Quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire des solutions. Je prends toute solution. L'Hôtel Dieu, le plus vieil hôpital de Paris, bâti plusieurs siècles avant la cathédrale Notre-Dame, sur l'île de la Cité. Les hôpitaux étaient bien différents à l'époque. On avait plus de chances d'y tomber malade que d'en sortir guéri. Les Templiers se servent des égouts de l'Hôtel Dieu pour faire sortir des artefacts volés dans Notre-Dame. Elle est récupérée. Ok, et mon copain en question, il est où? Il est là. Salut! Donc nous sommes avec Xaram97, qui est soldat d'élite. Moi, je suis à l'apprenti supérieur. Mon avis, ça doit jouer par rapport au jeu. Par contre, moi, je suis un peu dans la merde, en fait. Il m'a laissé comme un con. Voilà. On va faire ça comme ça. Okay, hey, il est parti, m'attends même pas. Comment à mon avis, c'est vraiment désolé. D'accord, j'ai pas décrit si on peut mettre son truc. Et sinon, j'ai changé de fringues. J'ai changé de fringues, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà. Et j'ai sinon aussi, j'avais acheté la masse avec vous. Alors, voler les objets récompense. Alors, du coup, les objets sont en dessous. Ils sont encore en dessous. Alors. Ils sont prêts par là. C'est pas normal. Mais quoi là. Eh, hey, t'as rien vu, mon pote! Alors, ensuite. Hop. Là. Ah, encore ensuite. Yep. Voilà. Alors. Tous ses parents. Là, franchement, je
machin. Un problème, mon pote. Mais oh. Là. Et du coup, les artefacts sont là. Ok. On va finir. Et du coup, faut continuer à voler les objets. Ah non, faut sur le secteur maintenant. Alors là, ça va être sympa. Ah bah, il y a une échelle là. Je suis con. Je suis con. Allez. Voilà. Je crois que c'était les égouts en fait ou que. Putain. On descend, c'est pour faire des conneries comme ça. Voilà. Je crois que c'était les égouts en fait où j'avais été avec vous pour chercher un coffre. Et que je m'étais littéralement. Pas perdu, mais. Que j'avais pas réussi en fait. Je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Alors là, ça va être la porte. Voilà. Tu peux pas attendre toi de me tirer dessus comme ça. Mon pote il est apparemment. C'est pas mon pote mais... Il s'est enfui lui. Donc il reste plus que moi. Hop là. On continue. Hop là. Voilà. L'escalier. Est-ce que tu vas pouvoir monter là, toi? Ok, c'est cool. Hop là. Allez, maintenant on s'enfuit, on se casse très loin. Allez, nickel. Tout ce qu'il y a à faire. Ah, d'accord. Ah, c'est des petites missions rapides en fait. Poursuite dans 25 secondes. Donc j'ai gagné ça, d'accord. Ok. Alors, est-ce que du coup c'est terminé ou est-ce qu'ils enchaînent directement quelque chose en online? Je sais pas du tout. Oh, c'est sympa comme ça, c'est vraiment des missions co-op quoi. C'est vraiment sympa. Et pour revenir au problème que j'ai avec mon pote pour jouer en coop, on a même créé un club, un club comme un clan si vous voulez, hein, pensant que ça nous aurait fait rejoindre plus rapidement et non. Non, non, que dalle. Donc, ben voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est sympa, ça pourrait être sympa vraiment avec lui parce que du coup, j'enregistrerai la conversation qu'on a ensemble. Donc non, j'ai terminé. Et en fait, on peut la rejouer indéfiniment apparemment. Donc, ok. Donc, c'est sympa à savoir. Alors maintenant je vais regarder ce qu'il y a comme mission coop dans le coin. Oh, une là-bas. Là. Non. Gauche. Voilà. Je peux directement l'avancer comme ça. Bon, ça va être un peu jus comme ça. C'est cool. Donc hein, si vous avez trouvé la solution, bah écoutez, en échange de celui qui me donnera la connexion, bah je lui proposerai si la personne veut, de faire une mission coop avec moi. Ou un autre jeu, hein, peu importe, hein, on verra ça ensemble. Avec la petite récompense pour vous m'aider à trouver. Oh, c'est vraiment une petite mission. C'est con qu'il n'y a pas de. Enfin, après, je sais pas si ça se trouve, il y en a, mais. Vraiment des grosses missions qui vont durer, je sais pas, peut-être un quart d'heure, une minute, vraiment hardcore, entre guillemets, quoi. Ça peut être sympa. Après, c'est clair qu'il faut vraiment de la coordination. Avec la personne. Quoi. Parce que si la personne fait discret et pilote elle rush, il y aura un petit problème, je pense. Allez, on y va, c'est parti. Paris, 1792. Les Autrichiens sont aux portes de la ville. Vous êtes en retard. J'ai dû éviter les patrouilles. Après les propos de Danton. Nous devrions regagner l'Autriche sans tarder.
Tu dédaignerais mon hospitalité, traître. L'Enfantant, un chef révolutionnaire qui a trouvé les rats. L'Enfantant et Robespierre, les deux pères fondateurs de la Révolution française. Une révolution sur le point d'être écrasée par une armée officielle dont les espions ont infiltré Paris. Les assassins savaient que ces espions avaient un chef. Un chef qui transmettait aux autres espions des informations sur les défenses de Paris. Le roi Louis retrouvera bientôt le palais de Versailles. Il devra me passer sur le corps. Danton a rallié Paris pour faire face à la menace, à ses risques et périls. Vous devez protéger Danton, puis éliminer le chef des espions. Ok. Donc là, on se retrouve avec Harry Potter. Allez, on est parti. Juste à temps. Retiens-les pendant que je cherche une issue. Je vais fouiller pendant ce temps. Rien ici. Meurs, sale modéré. Il n'y a donc aucune issue. Ok. Qu'est-ce que tu fais tout seul, mon gars? Tu fais, hein? Il n'y a donc aucune issue. Qui m'a tiré dessus? Ah, il peut me revivre animé, c'est cool. C'est cool. Je sais pas si ce que ça fait, si vraiment je meurs entièrement. Peut-être qu'on a une question derrière. Ouais, par contre, Danton, on se fait attaquer là-bas, je suis en train de voir la carte. Moi, je suis en train d'attendre parce que je peux pas faire d'autre. Hey, attends un instant! Du tout. Oh la haine! Je me sens seul. D'accord, donc là je vais quand même faire des coups de la partie. C'est comment ça se passe? Nom de Dieu! Comment ça se passe? Ah, je crois que je fais des coups, hein. Non? Non, d'accord, je reprends en fait. Par contre, je dois gagner moins cher, je pense. Du coup, moi je vais directement là-bas parce que. Est-ce qu'il va là? Ha! Steve! Bandit contre-révolutionnaire! Allez, hein. Je ne sais pas d'acquier. Là. Oui, il va rester. Le temps presse. Ces espions vont avertir l'Autriche. C'est bon. Vous devez les trouver avant qu'ils ne rejoignent leurs messagers. Très bien. Allons chercher ces documents. Ok. Alors. Tac. Je vais passer par en haut parce que je vais me coiffer en temps. Autant joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Là, c'est pas pour 5 secondes ça. Hop. Alors ensuite, hop. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Eh, on n'est pas loin de lui, hein. Fait.
on apprendra ça une fois qu'on sera en ligne. Ah, tu pourrais faire t'enfuir, sale lâche! Viens donc, je te ferai passer l'envie de courir! Non, mais c'est toujours pour ma gueule, moi! C'est pas possible, ça! Et à mon tour, il pourra venir me sauver, hein, ou pas? Parce que. On va pas être là-bas. Venez me sauver, s'il te plaît! Allez, monsieur Potter, s'il vous plaît, venez me sauver! Eh, voilà, vous voyez? Dès qu'on dit directement, on dit monsieur Potter, hein! Il vient! Ha! Je suis là! Merci, mon garçon! C'est limite quand même, hein! C'est très limite! Il y a un chat sur lui, merci, mais je sais pas quel est le chat. Alors, mon ami est occupé. Ok, c'est lui qui les a. Non, mais c'est pas possible! Putain, je me prends un coup quoi! Allez, il met des doigts sur le jet! Ok, je savais pas qu'on pouvait le faire. Maintenant, si je sais qu'on peut le faire, ça va être un peu plus simple. Ah, je suis pas ouvert! Putain, c'est là! C'est deux fois que je meurs! Non, trois fois que je meurs! Là, je vois même pas ce qu'il fait. Là, je vois juste mon corps qui est en train d'agoniser. Ah, à chaque fois, il est limite, hein, putain. Ah la vache. Ah, ça, c'est fait. Du coup, maintenant, on doit acheter les autres documents. Alors, ah, on va prendre l'artefact, pas l'artefact, le... Ah, j'ai plus le nom en tête. Oh, oui, il serait de quoi je parle, de toute façon. Voilà. La cocarde, voilà. C'est ça que je cherche. J'ai plus le nom en tête. Allez, on est parti. Allez, mon gamin. Voilà. Il te stétripe comme tous les autres traques. Ça, je vais les buter les deux, ça vous sera qui le tape avec leur flingue. Ensuite, il est là-bas. Ah ouais, tu crois que tu vas me tirer dessus comme ça sans que je vais rien te dire? T'as fait quoi toi? Mais comment ils peuvent m'avoir là? Non, mais sérieusement, ils tournent le mieux, ça marche, quoi, faut arrêter! Putain, c'est pas possible ça! T'as l'autre, il me fait médecin personnel, quoi. Tout ce qu'il fait, le mec, quoi. Aïe aïe aïe. Merci, mon pote, encore une fois. Ah, j'aimerais que tu meurs au moins une fois, comme que je sers à quelque chose aussi, parce que là. Allez, tu viens de parler, citoyen. Putain, tout ce qu'on t'a fait comme ça. Non, 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 putain. Mais c'est pas possible. Putain, j'ai l'impression d'être bonne à rien, quoi. Ah, c'est pas possible. C'est juste horrible. C'est juste horrible, putain, de voir ça, quoi. Bon, en tout cas, il est vraiment cool. Il est vraiment cool avec moi parce que, franchement, il n'hésite pas à venir et tout. Franchement. Donc là, je sais pas où il est parti. Il reprend un peu de vie, je sais pas. Peut-être réussir à me trouver aussi, ça peut pas être mal. Mais en tout cas, ouais, il joue bien, franchement. Ça
vrai que je devais être assez chiant quand même, de faire animer tous les 5 minutes. Après, voilà. Puis, hein. Ah, désolé. Désolé. On va essayer d'être un peu plus sérieuse quand même. Pas être mal. Et puis, on va essayer de faire autant qu'il nous fait pour nous. C'est là, ça, j'accumule quand même. J'accumule les conneries. Allez, chargement toujours aussi long. Ça ne change pas. Alors. On a la cocarde à côté. Et on va vite aller lever. Peut-être pas laisser dans la merde quand même, garçon. C'est quand même très gentil. Même si je le connais pas. Allez. C'est même pas qu'il est gentil, c'est qu'il est patient. Et là aujourd'hui, il est patient. Alors, hop, hop, hop. Allez, hop. Pourquoi il y a autant de cordes, sérieusement? Qu'est-ce que tu fais, putain? Non. Oh mais non mais c'est pas possible putain c'est pas possible ah non mais putain mais je suis la victime aujourd'hui c'est pas possible quoi je suis vraiment la victime quoi. Là, je l'entends, il arrive. Là, je suis à côté du mec qu'il faut voler, donc au moins il a pas grand chose à faire pour refaire l'un ou l'autre, quoi. C'est l'avantage. Le pauvre garçon. Ah, non, il va se rattaquer. En tout cas, lui, il gère bien, hein, franchement. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, fais chier, putain. De toute façon, je pense qu'il va voler directement le machin, après, je sais plus ce qu'il va falloir faire, donc. Ah putain, c'est nul! En plus, quoi, je crois que j'ai des remèdes dans mon ST pour reprendre un peu de vie. Je crois que j'ai des bombes fumées qui me restent pour fumigène. Là. Ouais, j'ai des bombes fumigènes. Je vais afficher juste. Bye. Non, c'est pas là. Et bon, après, c'est de la coop, hein. Faut savoir assumer son partenaire. Hein. Le partenaire n'est pas très bon aujourd'hui, mais bon. C'est par là. Là, petit cracheur de feu. Bonjour, mon garçon. Allez, c'est parti. Il est en train de récupérer, là, je crois. Ces documents ont été envoyés par le comte de Gambet. Ah, infiltrez-vous chez lui et éliminez-le, ainsi que ses complices. Vous éliminez deux cibles. Qui sont là-bas. Ok. Allez, c'est parti. Allez, hop. Et c'est quand même pas à côté, hein. Donc on va mettre un dessus. Allez, allez. Les comptes de Gambet. Ok. Comment je trouve les comptes de Gambet? Et il est là. Hein. Thank you.
essayer de faire tout le tour pour trouver les fenêtres ouvertes ou quelque chose. Cette énergie. Oh, ça me Ah merde, je sais pas. C'est pas grave. Comment je rentre là-dedans? Fais, on voit presque plus rien. Il y a avoir une porte, une fenêtre, quelque chose. Là, tu as enfin. Tu en feras quoi, mon garçon? C'est à lui de savoir comment faire, à mon avis. Mon collègue. Ah, là, où tu vas? T'es changé? Tu t'es encore fait dessus? Comment voulez-vous que je fasse ça? Franchement. Je peux pas faire ça. Ah, je te vois, mon garçon. Ciao. Je te suis. Je te montre tout là-haut. Ah, il est fait là. Oh, il est fait. Putain, mais non, mais j'étais en train de lancer une grenade fumée, je dis pourquoi ça marche pas, ah, c'est juste parce que j'ai plus de grenade fumée. Ah, je me suis désagrandisé directement, ça évitera de venir pour rien comme ça. Okay. Ah putain, eh, c'est pas facile hein, quand même, faut pas croire. Hein. C'est pas simple. Hein. Ah, tout à l'heure qu'il me disait, ouais, ce serait bien d'avoir une mission d'une demi-heure, bah je l'ai trouvé, une mission d'une demi-heure. Hein. Pas de soucis. Hein. Alors du coup, plus tard. Je vais m'occuper de ces deux-là. Là. Voilà. Voilà. Déjà pour leur cas, c'est réglé. Ensuite, donc là. Aussi. C'est qui m'a vu? Là. Fait. Ensuite, celle-là elle est bloquée à clé, et celle-là aussi. Mais comment je fais pour crocheter? Franchement, j'ai pas le niveau quoi. Descends en bas. C'était quoi ça? Ok, bonjour. Allez. Après, si c'est une alerte, c'est juste une chose comme ça qui va descendre dans cet espace. Non, ça marche pas comme ça. Ah, il est vraiment fermé quoi là, putain. Ça, le mec il est vraiment pas pour lui. Alors, dans le doute que quelqu'un vous ranime. Ah, si c'est fermé. Bon, je vais fouiller sur eux voir s'il n'y a pas des des crochets. On ne sait jamais.
oui, oui, ok, c'est quoi. Ok. Rien de ce que je cherche en fait. Y'a rien de ce que je cherche. Lui il est en haut ou pas. Comment faire bon, là, je fais le coffre. Là c'est bloqué aussi, oui forcément. Je vais acheter le coffre, des fois je trouverai des crochets. On sait jamais. Donc lui il y est. Ah ouais. Tu vas payer le chien. Pas qu'on t'a fait mon garçon, mais bien. Tu dois avoir un niveau de crochetage un peu meilleur que le mien, je pense. Ça doit jouer. Ah, est-ce que tout est bloqué hein. Et les coffres doivent être en haut, je suppose. Allez, laisse un peu. Ah ouais non mais là il y avait du monde hein. Moi j'ai débarqué, j'en ai vu qu'un, je me suis dit ouais ça va le faire ouais, bon, il y en a bien plus qu'un. Ah il vient m'aider directement. Je vais te faire laminer un petit peu la gueule. C'est lui qui a le flingue en fait. C'est forcément les ennemis en fait qui tirent, c'est lui aussi. Je pense que c'est un peu comme dans les autres en fait, on peut avoir le flingue pour tirer quoi. Bon, ouais, la réanimation. Maintenant, on a l'habitude, y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Voilà. En fait, tu sais pas pourquoi, hein, t'es nul au jeu. Tu sais, ouais, c'est comme ça. Bon, il reste plus qu'un, ça sert quand même. Non, c'est par là. C'est par là. Allez. Hop. Je vais te suivre, personne. Peut-être un peu buggy. Putain, je voulais me barrer, j'ai même pas eu le temps. Quoi. Ah, si, je vais pas encore. J'ai eu un bug, je trouve ça vraiment fort. Ah, à deux, ça va quand même beaucoup plus rapide. Hein. Hop. Voilà. Ensuite. Ah merde toi. Non, t'es où? Bon, j'ai fini. On est prudent. Hey.
laisse faire parce qu'il a l'air d'avoir une meilleure compétence profilage que moi. Je comprends pas ce que tu fais, mon perso. J'essaie de comprendre. Excusez-moi. Hop là. Mais non! Il a rien des conneries, quoi. Excusez-moi. Putain, directement quoi, mais sérieusement. Je suis attendre, des fois qu'il y arriverait. Mais... En enfer et en enfer. Ah lui, il joue vachement beaucoup à la bouffe. Beaucoup à ça. Je suis désynchronisé. Encore une fois de plus, hein. C'est ça qu'une fois de plus, on dira. Après, c'est le demande de l'envoyer par le comte de Gambay. Infiltrez-vous chez lui et éliminez-le, ainsi que ses complices. Oh putain, ça fait synchroniser tous les deux. Oh non, faut tout recommencer. Oh, ça m'a dit pas juste. Très dommage. Hop là. Bah écoutez, tant que j'y suis, je vais prendre les coffres. En haut, je suppose. Non ou pas? Non, c'est pas là? Non. Si, c'est là. Eh, bon, faut pas me prendre pour une con. Hein. Allez, prends ton coffre. Voilà. Par contre, l'autre truc, finir complètement où qu'il est. Est-ce que c'est. Eh ouais, moi je m'avais perdu. Hop là. Oui. Il s'est passé par là, toi. Eh mais c'est bon, calme-toi toi. Mais oh. Du coup. Merde, c'est pas ce que je vais faire. Comment on fait, il fallait. Comment on fait, il faut mettre les. Ah c'est bon. Alors ensuite. Voilà. Alors du coup le prochain il est là-bas. Ah, faut passer par là directement.
Allez. Je vais pas voir. Ah putain, quoi de plus. Ah, je suis directement désynchronisé maintenant, hein. C'est en attendre. J'ai perdu du temps plus qu'autre chose. Là, on a fait directement le premier, c'est plutôt cool. Mais en fait, ouais, je vois vraiment qu'il va falloir que, quand je serai en mode histoire ou en mode annexe, peu importe, que j'améliore mon crochetage. Quoi. Parce que là, c'est juste chaotique. Là, je peux même pas ouvrir la porte, clairement. Enfin, vous voyez bien ce qu'il y a quand j'ai essayé tout à l'heure. Hein. C'est pas possible. Quoi. C'est possible, mais il faut vraiment être patient et avoir beaucoup de tact, j'ai envie de dire. Par contre, je sais pas combien de temps va durer le gameplay, là on est rendu à 40 minutes. Mais bon, je vais pas vous laisser sans avoir fini quoi. Après, c'est génial. Ah, t'es avec moi, c'est cool. Alors. Il n'y a pas de fenêtre d'ouvert, c'est là. Forcément. Putain, mais il rentre par où lui ? Je suis là, hein, mais. Par où il est rentré ? Par où il est rentré ? En bas. Hop là. Oh, il y a quand même du monde là. On fait sur place. Hop là. Et puis là, faut pas que je meurs parce que je me fais la peine. Par ça, donc je me sens pas suivi du tout. Hein. Alors, pas du tout. Ok, les remerciements. Ah, le sang qui a giclé sur l'armoire en plus. On va attendre un peu voir s'il peut me sauver. C'est plutôt cool. Vu que je suis sur place. Mais bon, on verra bien. Ça sent bon déjà. Faut que ça continue. Eh, j'ai même pas foutu un coup au comte de Gambet là. Rien senti quoi. Putain. Allez, s'il te plaît, faut me sauver. Ça pue. Allez, c'est bon. Vache. Dommage que je suis sûr qu'il était pas loin. Je suis vraiment sûr qu'il était pas loin. Allez, on va quand même y arriver, quoi, je sais pas, on va quand même pas galérer comme ça, comme des malades. Franchement.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors. Hop là. Allez. Hop. On sort. La porte était par là, il me semble. Je ne vois personne. Ok, tu es là. Je vais directement monter en haut et essayer de la voir l'autre. Allez, hop. Tiens. Vous les avez tous éliminés. Il est temps de repartir. Voilà, rapide, efficace et clair. Voilà, comme ça au moins. Allez, tranquille. Genre, je pensais pas l'avoir eu comme ça. Là, j'ai quand même eu très simplement. Hop là. Hop. Hop, on rampe ça. Allez. Et on se barre. Parce que c'est bon. Tiens, la maison des plantes. Et c'est maison des plantes, mais j'ai une amie qui sait pas dire plantes. Les plantes. C'est l'accent du sud, c'est pour ça. Voilà, je suis barré. Voilà. Plus qu'à attendre notre collègue. Et puis c'est bon. Bravo. Et on a fini. Alors. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous refais découvrir le online aujourd'hui. Enfin, moi, c'était une découverte principalement pour moi aussi, parce que je ne connaissais vraiment pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que je vous ai posé comme question au départ du gameplay par rapport au mode en ligne. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le show en règle générale, de toute manière. N'hésitez pas à liker, commenter et du coup, partager. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur JSO Gaming.